Yo tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va parler d'actualité et surtout de la prochaine saison. En effet, vous l'avez vu au titre, elle a déjà fuité et on connaît même le pass de combat. Alors dès le début, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, c'est très important. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui me soutiennent dans la boutique avec le code créateur T2O, 1T121O. Pour vous remercier, n'oubliez pas que j'ai envoyé des cadeaux ces derniers jours et ça pourrait continuer. Pour vous remercier de votre soutien, donc vraiment merci à ceux qui y pensent. Premièrement les potes, un rappel, n'oubliez pas que d'ici quelques jours, vous ne pourrez plus récupérer les cadeaux de Noël. Ils sont actuellement tous disponibles dans vos quêtes. Il y a un total de 14 cadeaux à récupérer gratuitement sans rien faire, suffit de cliquer pour les ramasser. Et un peu plus bas, vous avez d'autres quêtes. Cette fois-ci, il faut les accomplir en game pour débloquer beaucoup d'XP et aussi une pioche gratuite au bout de 19 quêtes réalisées. Alors pensez à le faire, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça fait avancer le pass de combat, bref, c'est bénef. Ensuite, parlons de la prochaine mise à jour. Malheureusement, vous le savez, celle-ci n'arrivera que dans plusieurs semaines puisqu'elle est prévue le 23 janvier. Ça fait déjà un moment qu'on n'a pas eu de mise à jour et il faut encore attendre très longtemps. C'est normal, Epic Games est en vacances. Alors, en attendant, on peut s'attendre à des petits changements in-game, le retour de certaines armes, quelques modifications, ça c'est possible, mais il n'y aura pas de gros changements, en tout cas pas avant la mise à jour du 23 janvier. Dans cette mise à jour, ce qui est déjà prévu, c'est l'ajout des derniers styles bonus pour les skins du pass de combat. Ils ne sont toujours pas dispo. On aura aussi la possibilité de débloquer le skin Solid Snake et tous ses accessoires qui pour l'instant sont inconnus. Le club de Fortnite du mois de février sera certainement ajouté et puis on aura de nouveaux défis et peut-être des surprises, c'est même quasiment sûr. Voilà pour ce qu'on sait concernant la suite de cette saison. Après, il y a quelques nouveautés qui peuvent aussi arriver. Comme je l'ai dit, on peut s'attendre à des surprises qui n'ont pas été annoncées. On va donc directement passer à la prochaine saison car on a déjà des infos très intéressantes sur ce qui va être ajouté. Déjà, faut savoir qu'Epic Games travaille sur une nouvelle mécanique liée à une corde. On aurait la possibilité de se balancer avec une corde, un peu comme si on était Spider-Man, sauf qu'au lieu d'utiliser de la toile, bah, ce serait une corde. D'après Wenso, ça permettrait aussi d'escalader des structures qui sont trop penchées. Ça peut être pratique pour monter les montagnes si on n'a pas de grappin ou autre. Mais faut aussi savoir quelque chose, c'est que cette mécanique, elle est peut-être uniquement pour le mode de jeu Lego. Parce que oui, maintenant, il y a plusieurs modes de jeu dans Fortnite, donc il y a peut-être des mécaniques qui ne seront pas dispo en Battle Royale, mais qui seront dispo dans les autres modes. Pour l'instant, dans le mode Lego, on a le planeur, on a le grappin, mais peut-être qu'il y aura d'autres items, dont la corde, ça c'est possible. Voilà en tout cas une mécanique sur laquelle Epic Games est en train de travailler. Maintenant, est-ce que ce sera pour le Battle Royale? On n'en est pas sûr à 100%. Toujours par rapport à la prochaine saison, donc la saison 2 du chapitre 5, le nom de code a fuité et apparemment ce serait Eiga. Wenso a également annoncé que 5 boss seraient présents dans la map, ils auraient chacun leur spawn et donc leur arme mythique, et l'information a ensuite été relayée par Hypex qui confirme que le thème de la prochaine saison, ce serait apparemment la mythologie grecque. En fait, le nom de code, Eiga, ça veut dire goat en grec. Donc déjà, ils ont utilisé un mot grec, c'est pas pour rien. Dans la map actuelle, on a aussi quelques endroits qui font allusion à la mythologie grecque, comme pour nous teaser ce qui va arriver. Dans les sondages, il y a énormément de skins qui sont dans ce thème et qui ont fuité depuis des mois. Mais déjà, avant tout, c'est vrai que depuis le début de Fortnite, le tout début du jeu, il y a un lien entre le jeu et la mythologie grecque. C'est le nom de chaque map. On a eu Athéna, Apollo, Artemis, que des noms de maps liés à la mythologie grecque. Ce serait donc pas très surprenant de voir qu'Epic Games fasse une saison sur ce thème. Alors un autre indice qui confirme cette théorie, c'est qu'un boss devrait arriver et ce boss aurait un effet particulier. Vous le voyez à l'écran, il serait lié à un éclair, à la foudre. Il y a donc des chances que ce boss, ce soit en fait Zeus, ou en tout cas un personnage qui représente Zeus dans la prochaine saison. Et puis en toute sincérité, je trouve que ce thème, ça pourrait coller à Fortnite, notamment dans le pass de combat. Et oui les potes, parce que du coup je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais dans les sondages, il y a des dizaines de skins dans le thème de la mythologie grecque qui ont fuité depuis plusieurs mois, et donc on a pu les réunir, sachant qu'ils arriveront probablement dans le pass de combat ou dans de prochaines boutiques. Alors voici la liste complète des skins qui sont les plus probables, ceux qui ont le plus de chances d'arriver dans la prochaine saison. Du coup, on va les repasser en revue un par un,
en très bonne qualité parce que sur l'image de base, c'est vrai qu'on les voit qu'en tout petit. Tout d'abord, voici le skin Athéna. Alors pour chacun des skins, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et lesquels sont vos préférés. Ici, on a le skin Apollo que je trouve vraiment pas mal. Là, on peut retrouver le skin Ares. Encore une fois, c'est validé. Ici, on a un premier skin Artemis avec un peu de galaxie sur le corps. Magnifique. Voici le deuxième skin Artemis. Alors, est-ce que c'est une variante ou est-ce que c'est un autre skin? On ne sait pas exactement. Ici, on a Cerberus qui est juste incroyable. Le flow est insane et c'est le skin le mieux noté sur le site de sondage. Là, on a le personnage Hades et j'aime beaucoup le fait que ses bras soient attachés et que du coup, on utilise des faux bras en feu. Ici, on a Héphaïstus. Magnifique. C'est pas le style de skin que j'aime le plus, mais franchement, il a un flow de fou. On passe maintenant au skin Hermès, un peu plus simple, mais franchement, c'est validé. Là, on a une deuxième variante du skin Hermès. Encore une fois, est-ce qu'on aura les deux? Je sais pas. Ici, on a un skin inconnu, mais qui fait partie du thème de la mythologie grecque. Là, on a le personnage Aphrodite pour l'amour. Magnifique, c'est validé. On a ensuite le skin Médusa avec des serpents dans les cheveux. Parfait, vraiment que des skins que j'ai envie d'avoir dans un pass de combat. Là, on a le skin Minotaure pour le côté un peu plus troll. Et franchement, ça passe. Ici, on a le personnage Perséphone. C'est celui que j'aime le moins dans toute cette liste. Et pour finir, voici un personnage classique, mais qui fait un peu allusion à la mythologie grecque. Honnêtement les gars, il n'y a pas trop de skins qui me déçoivent dans cette liste, et si on avait un pass de combat composé de ces skins, bah en vrai j'en serais content par rapport à ce qu'on a eu ces derniers temps. Du coup, bah dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour ma part, c'est un thème et des skins que je valide à 100%. Sinon, toujours par rapport à ce qu'on sait de la prochaine saison, il y a aussi un mode de jeu en préparation, c'est le retour du mode Floor is Lava, mais lié à Midas. On ne sait pas trop ce que Midas vient faire là-dedans. Peut-être que ça changera énormément le mode ou peut-être pas du tout, on ne sait pas. Mais apparemment, ce serait prévu pour la prochaine saison. Pour finir, on a Shaina qui a fait un tweet. On a besoin de cette collaboration en 2024 en mettant une image de One Piece. Et oui les gars, c'est vrai qu'il y a une collaboration qu'on attend tous avec impatience. C'est One Piece. C'est l'anime le plus populaire à l'heure actuelle. Et c'est vraiment celui qu'on veut dans Fortnite. On a eu Naruto, Dragon Ball, pourquoi pas One Piece. On a eu aussi beaucoup d'autres animés très populaires. Franchement, je croise les doigts pour que ça arrive. En attendant, si vous voulez jouer à un jeu One Piece sur Fortnite, c'est possible dans la map Box PVP que j'ai sortie dans ce thème. Pour les intéressés, vous avez le code à l'écran. En plus, la map vous donne énormément d'XP, donc c'est vraiment bénef. Vous passerez du bon temps et vous montrez vos niveaux en même temps. Sur ce, on arrive donc à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'attends vos retours par rapport à la prochaine saison et tout ce qui a été annoncé. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner et à me soutenir dans la boutique avec le code T2O, c'est très important. Et puis nous, on se donne rendez-vous dès que possible pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les potes!